Et c'est parti. Nouveau naming, nouvelle équipe, frisson et émotion garantie. C'est parti pour cette saison 2024-2025. Si vous voulez savoir la vérité, elles avaient beaucoup balancé les joueuses de Bourges, oui, à 3 points quand même. Mais un peu moins que Villeneuve d'Ascq. En nombre, non. Ouais. Et allez, le premier point. Attention quand même, c'est qu'elle n'est pas le pied sur la ligne. Alors voyons voir avec le ralenti. Non. Elle se recule au dernier. Sur la tête de Morgan Green, hein, qui décidément, après avoir manqué deux shoots, en prend un sur la tête. Bonne relation. Ouais, super, Ena Bossi. Et déjà 5-0. Ce petit short roll là qui permet pas à la défense. Ouais, donc la naissance d'un nouveau derby. Oh, super, la relation là. La défense là. Et Astier, mais c'est vrai que la défense était aux abonnés absents totalement là. Ouais, c'est un passé bas là, tout simple, décolle. Attention, voilà, elle commence à perdre des ballons. Opportuniste là-dessus, mais bien joué. C'est beau ce que vient de faire Cooper. Ouais. Se jeter comme ça, récupérer le ballon, faire la passe décisive en plus. Elle s'est fait prendre sur ça. Ouais, là c'est un peu trop facile, hein, la coupe dans le dos de, ouais, de Marié. Ouais, ça c'était très compliqué. Oh, le shoot. Oh non, ça retombe pas dedans. Elles sont là, elles très se battent. Attitude, hein. Allez, ça c'est 2 points. Et Langa, ça. Et Langa, bien sûr. Facile. Et bien sûr, ça va être un temps mort, à mon avis là. Astier, ouais, voilà. Super ça avec Karyata Diaby. Et le Seyek pris de court. En puissance, t'as aucune chance. Par contre, en vitesse, regardez. Directement le pick and roll, ça roule très vite vers lui. Elanga qui s'arrête encore à 2 points, ça marche bien ça depuis le début du match. Ah, c'est fort sur ses shoots à 2 points, Elanga. Évidemment, hein, la sœur de Kekeli Elanga qui a signé à l'Asvel cette saison. Ça aussi c'est bien décalé, le shoot est ouvert encore une fois. Ouais. Ça laisse shooter. Oh, super ça en concours. Ouais. Okonkwo, ça crée du jeu quand même. Vous avez vu, ça joue pas que pour elle. La vista est parfaite, la pocket pass. Allez, encore, mais voilà, elle peut finir aussi. Finition. C'est ça, elle peut courir, elle peut finir. Elle est redoutable, hein, vraiment. Alors, c'est un début de saison aussi, hein, c'est un premier match. La bonne passe. Là, par contre, et là, le high low. Magnifique. Franchement, c'était magnifique. Magnifique parce que Spanou, elle l'a fait millimétrer cette petit passe. Point depuis, c'est trop peu. Hein. Allez, Green. Green, on sait qu'elle sait faire ça, le petit shoot. Ah ouais, bien sûr. C'est et donc, Bourges qui passe pour la première fois. Et encore là. Ouais, bien c'est sûr. Belle défense de Pauline Astier qui s'est battue, mais ça retombe dans les mains. Oh, super la petite main là. De Astier. La bonne passe. Oh, super. C'est magnifique. Oui. Mais c'est là qu'elle est intéressante. Patafion 1 contre 1. Regardez cette passe. Oh là, c'est un régal. Franchement, tout est merveilleux. Du côté de la passe, du côté de la. Ouais, et 23-17 pour les Berruyères. Ça continue encore. Ouais, Green qui va pouvoir finir tranquillement après cette nouvelle perte de balles. Elles se connaissent moins. Elles se connaissent moins et l'effectif met du temps à se mettre en place, c'est tout. Allez, oh oui, le 3 points magnifique. Ça fait. Elle rejoint à nouveau la Boulangère Wonder League, la LFB, après. 10 ans, c'est. Alors qu'on la connaît bien. Bien sûr. Parce qu'on avait vu un reportage de Lucas Nico sur elle, justement, avec sa capacité à dunker. Allez, Elise Marie en première attention là, qui prend le shoot à 3 points. Gros shoot. Il fait du bien. Il fait du bien celui-là, ça revient. Et ça ramène Chartres à 2 petits points. Allez, Pauline Astier. Oh, on n'est pas passé en interception, mais là, le chemin libéré au concours. Si tu viens pas, elle va marquer et elle sera sinon dans la bonne lecture. Elle est hyper dangereuse sur ce genre d'action. Ne pas tenter l'interception sur elle. Qu'est-ce qu'elle est dure à ce. Oh, super là, le petit mouvement. Magnifique. Allez, Chartres qui tient, hein, qui fait même mieux que tenir. Et Langa, elle est intéressante hein, dans ce qu'elle propose depuis le début de ce match. Déjà 6 points pour elle. Le match commence Astier, enfin. Oh là là, Okonkwo par contre elle aussi hein. Allez, elle a cette capacité à jouer dans le dos de la défense. On parlait de choix fort hein, de. On va attendre que l'action se déroule parce que Okonkwo fait de gros dégâts. Regardez encore Anna-Maria une fois, Philippe ça. Qui prend le rebond et toujours le N1. C'est toujours pareil. Anna-Maria Philippe, elle est déjà à 6 points. Elle va avoir le lancer franc pour le 7ème. Donc elle de deuxième Colas chance.
Vous avez vu, hein, c'est capable. Okoko, bah tiens. Allez, le 3 points. Et bien voilà. Ami Okoko à la tour en bagage. Être une joueuse encore une fois à suivre cette saison, hein, Okoko. Allez, peut-être la réponse tout de suite. Et ah, oui, oh, ça rentre dedans. Directement, ça compte. Ouais, elle est intéressante, hein. Alors qu'on voit le shoot un peu chanceux. Tout de suite, c'est envoyé au bon endroit. Le shoot est raté, mais c'est un bon shoot. Ça aussi, j'allais dire ça aussi, ça pouvait être un bon shoot. Allez, super le move. J'adore ce move. Et allez, le rebond offensif en plus. Mahoutou, moi j'aime bien quand elle est sur le terrain aussi. C'est peut-être pour ça que Cooper n'a pas beaucoup joué. Cooper. Et là, elle joue ensemble. Petite ligne. Ouais, c'est difficile hein, pour Laetitia Guapo là, au shoot en tout cas. Elle met de l'impact, elle met de la vitesse, de l'intensité dans le jeu. Ça, on peut en être sûr avec elle. Mais... Pauline Astier. Alix Duchet qui prend sa chance tout de suite. Ah oui, bien sûr, Alix Duchet. On parlait d'expérience, oui. Il traque quand même beaucoup là. Qui était retourné jouer dans son pays. Oh, le bon move. Oh, super ça, voilà. Ah oui, là franchement, c'était très impressionnant hein, le move qu'elle vient de faire. Allez, Élise Marié. Elanga. Belle passe. Super ça. Voilà, c'est beaucoup mieux là ce que propose Chartres. Ouais. Bien joué. Ouais, bien décalé. Elanga. Elanga, Elanga qui 3 doit mettre ça. Si elle met voilà ça, elle relance le match. Elle relance le match, Elanga. Elanga, exact. Et quelle passe. Ouais, mais quelle passe. Hein. Quelle vista. Pour se rendre compte qu'Elanga était seul malgré la prise. Laetitia Guapo. Astier. Astier qui est passé. Oh là 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 là, magistral. On sait jamais comment elle le sort, mais elle le sort à chaque fois. Elle a une main droite juste parfaite. Alors, une technique, c'est pas un contact, hein, c'est qu'elle elle aurait rouspété. Ouais, mais alors j'ai pas forcément vu. Bon, écoutez. Mais là par contre, si ça s'écarte, bien sûr qu'elle va le mettre. Bien sûr. Évidemment. Et regardez le coach. Le coach Benoît Marty qui n'en revient pas, il dit comment vous pouvez laisser une joueuse capable de shooter seule. Et elle s'entend de la réponse, la réponse, voilà. C'est important. Avec important. La faute. Et Nabosi, c'est important de marquer celui-là, le N1, il faut convertir le lancer franc. Bonne passe, hein, quand même. Très bonne passe. Et là, on voit. Ouais, et là, on est au bord de la rupture hein, pour Chartres. Attention à ne pas prendre là, un panier dans les ultimes secondes de ce troisième carton. Astier. Et ouais, si. Et bien voilà. Et le N1. Bien sûr, le N1. Plus. Oh, le petit flotteur là de Pauline Astier. Non, mais c'est surtout lui. Et Langa. Oui, Langa, ça recule un petit peu. Elle se trouve le shoot. Au Congo, vous avez vu, hein, elle recule un tout petit peu trop. Et Langa. À la fenêtre de tir, elle s'en sert. Par merci. Contre, dans la foulée, elle se rattrape directement au Congo. Il faut marquer ça, du côté de Chartres. Ouais, c'est important là, Debo. Oui, ça c'est bien joué ça. Voilà, ça c'est super. Ouais, beaucoup de moves, beaucoup de touchés. Allez, Green pour apporter un peu de vitesse. Astier, ouais, la spéciale. Vous avez vu, Pauline Astier. Elle attend d'essuyer le ballon quasiment. Belle passe. Magnifique, allez, belle Diaby. Coupe, bonne prise de position, bien servi. On sait hein, qu'il y aura des moments difficiles, des moments de doute. C'est, voilà, c'est le quotidien aussi d'un promu. Oh, ouais, c'est bien ça, joué, c'est le bien, turnaround. C'est bien vu. Allez, on arrive doucement vers la fin de ce match. 3 minutes à jouer. Et là, Diaby. Ouais, là, ça va être compliqué de la stopper. Kariata Diaby. Ses appuis, sa prise de position. Elle laisse bien le Seyek dans son dos. Et là, c'est bien joué, ça. Super, ça. C'est le grand. Ouais. C'est ça. Allez, Green. Green, attention, parce que... Oh, oui, super, ça, avec Spanou. Oh, la puissance d'Artemis Spanou. Le petit coup d'épaule qui va bien. Allez, Spanou qui va continuer à faire des dégâts. Mais c'est manqué. Les 20 dernières secondes. Elanga qui va pouvoir finir tranquillement. Guapo bon, avec Anna Maria Philippe, peut-être pour le dernier point de cette rencontre. Artemis Spanou, le rebond offensif. Ah non, ça ne voudra pas rentrer, mais voilà. La victoire de Bourges, 73-58 ici au Prado face au promu.